Yes, ça y est les mecs, nous allons commencer le Hubao Hyper DCA. Pourquoi DI? On ne sait pas. Si ça doit être pour crawler. Hein, parce que c'est le premier crawler qu'ils ont fait. La carreau. Et donc déjà à côté, on a déjà peint, je fais simple. Je ne vais pas m'amuser à peindre le poste de pilotage. Et toutes ces choses-là m'intéressent pas. Donc le sticker, ça ira aussi. Donc. Après, sur la carreau, pas qu'on décide si j'allais laisser les vitres apparentes ou pas. Après, c'est une espèce de fumage. Donc de toute façon, on verra à travers. En ce moment, c'est pas possible. J'ai la poisse. J'arrête pas de recevoir des antennes violettes. Je veux pas d'antennes violettes. Pneumatique. Comme dit, on a déjà monté ça là-dessus. Mais ce qu'on va faire, avant de les coller, les pneumatiques, moi je vais lester mes jantes d'office, même si ce machin a une deuxième vitesse et qu'il peut aller un peu plus vite, il n'y a quand même pas de déblocage de diff ni rien, donc c'est pas l'idéal. La petite deuxième si bien sur les, voilà, quand ça glisse pour accélérer un coup, mais ça s'arrête là. Alors on va voir si ça va être juste. Alors les poids de 5, tu vois, c'est un peu trop large. Un peu trop large, on ne va pas mettre l'empreinte exactement. Par contre, c'est très mou à couper. On va donc couper un bout dans la largeur de ces plans. On va ensuite les installer au milieu de la jante. Alors, voyons voir en gros ce qu'on pourrait mettre sur une couche. Donc, on arriverait à 10, 20, 30. Je recommence. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grammes par rond. C'est déjà pas mal. On pourrait pousser le bouchon, faire un deuxième tour au-dessus, mais du coup évidemment on aurait un, comme le diamètre sera plus grand, on arrivera peut-être au total à 150 grammes par roue, ça fait 300 600 grammes sur tout véhicule posé par terre. C'est sûr que là il va pas se renverser trop vite. Ça sera peut-être un peu trop souvent, laisse plus à l'avant à l'arrière, moi je fais autant de montée que de descente, donc laisser que à l'avant, non, moi je préfère lester mes 4 roues pareilles, ça évite aussi de devoir repérer laquelle va où, n'importe quoi opposé, tralalala. Quand tu fais ça, le conseil que je peux te donner, qui est très simple, c'est, on va couper peut-être plus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On va mettre, on recommence, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. On y aura coupé dans la largeur, donc on n'aura plus le poids qu'on avait prévu. Et ce ne sont plus des poids en plomb, donc je ne peux pas les couper avec ça. Il va falloir passer dans la Dremel. Ouais, ça devrait le faire. Tu les colles autour de ta jante. Après, surtout, très important, tu mets un rilse autour que tu sers bien. Parce que la colle en elle-même ne suffira pas, surtout sur un véhicule qui a une deuxième vitesse. Si ça se décolle, ça se balade dedans, ça détruit ta mousse, c'est un problème. Niveau hauteur, c'est vrai qu'on a large de quoi faire deux tours avec. Donc je vais y réfléchir. Si je vais faire l'extrême, si je vais faire deux tours ou un seul, je pense que un suffira. Et on fera gaffe, comme l'a dit quelqu'un qui vend du DC1 professionnel. Faites gaffe, les cardans de pont avant en 3S pètent. C'est fatal, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de diff, donc énormément d'efforts sur cette partie-là. C'est pour ça que c'est vraiment sympa d'avoir des diffs qui se débloquent, il n'y a pas un grand véhicule qui a des diffs qui se débloquent. Tu as Traxxas qui le fait à distance, tu as Cragsman qui le fait à distance, et tu as Tamiya qui le fait manuellement. Moi je suis totalement pour. Te fais pas piéger, ne laisse pas la roue de secours. Ça va faire l'effet inverse, là-haut sur la carrosserie. Tu vois, j'ai déjà les jambes qui se baladent. Elle n'arrête pas de rouler. L'éclipse de carreau, typique un dixième tout rikiki. Moi, j'aime pas. Après, c'est discret. D'un autre côté, si tu veux être discret, c'était plus simple de mettre un support de carreau avec 4 grosses surfaces et 4 velcro ou 4 aimants. Ce que tu veux. On aura énormément de travail sur la carrosserie. Il y a des choses à rajouter de partout. On a carrément des petits caches rouges pour la lumière. On a vraiment une tonne de trucs.
On a le paquet 3, paquet 4, paquet 5, paquet 6. Les petits catadioptres pour les phares, devant si tu n'utilises pas les LED. Paquet 1. Paquet 2. On va déjà les poser dans l'ordre, comme ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je veux une saucisse. 7, 8, 9 avec un œuf. 10, 11, 12 et un pack de 12. Pack 1, ça, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Ne vous en faites pas, hein, je vais passer la caméra en plongée. En zoom, je vais essayer de pas trop faire d'orchant cette fois. Hein, c'est pas gagné, je sais. Pas très vite d'esprit, Mali. On a la vache. Alors les élargisseurs sont en plastoc, c'est pas du caoutchouc, c'est en plastique. On a de quoi faire les rétroviseurs en pro, vraiment rétrovisé. Tout le paquet de vis qui va sur la carreau. Les garde-la-boue. Comme sur le TX4, on a vraiment des garde-la-boue. Donc pour ceux qui font du. Hein, quand ils veulent vraiment grimper méchant, vous enlevez tout le poids qui ne sert à rien, c'est sûr, vous avez viré les garde-boue. La calandre avant. Ah ouais, la vache! Tu as la calandre. Avec le grill. Les feux, regarde. Tu as vraiment les petits optiques avec et tout. Est-ce que je mets tout ça? Oui, parce que la voiture ira à quelqu'un d'autre, évidemment. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais même pas. Des fois, ça me tente un peu, tu vois, c'est rigolo, mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça revient toujours même, tu te dis, oh non. On a... C'est des malades. C'est des malades, je suis au bas où il y a les poignées de porte. Il y a le volant, le snorkel. Donc le snorkel, c'est un mot allemand, snorkel. C'est un tube qui sert à alimenter en air le moteur, donc tu le montes le plus haut possible, il y a les rétroviseurs, regarde ça, les rétro, il y a les essuie-glaces. À alimenter le moteur en air, comme ça tu peux aller sous l'eau jusqu'au niveau du snorkel, sans que le moteur cale, il y a tout le tableau de bord. Pèse une blinde. Mon ami, je vais pas le mettre. Pour ceux qui font du scale, il y a donc vraiment de quoi se régaler. Ça c'est évidemment du poids en plus dans la carreau. Faudra bien faire deux tours de plomb sur les pneus. Alors, là-dedans, on te dit qu'il te faut une radio, c'est rigolo. Hein. On est au 20e siècle, ils ont toujours encore le dessin des radios avec les antennes. Mais par contre, combo brushless. Hein, tu me crois pas? Regarde, combo brushless. Les outils. Et... Ensuite, on attaque dans le vif tout de suite. Alors. On va peut-être faire autrement que l'autre fois, cette fois. Je vais. Est-ce que je vais retourner l'établi et mettre la caméra par-dessus mon épaule? Qu'est-ce que t'en dis? Regarde, je te monte. Zop. Et tu descends là. Peut t'approcher là. Non, ça va le faire là. Hein, on va rester comme ça. C'est sûr que si je mets la caméra à partir de mon épaule, ça sera peut-être mieux pour vous par rapport à la notice. Ouais, je vais regarder où est le zoom pour pas éteindre. De l'autre côté, c'est moi qui monte, donc c'est moi qui dois voir la notice. Et puis comme ça, quand je me trompe, je dis c'est la faute à la notice. Attaquons donc cette boîte. Deux boîtes de vitesse, si il y a une boîte de vitesse puisqu'il y a deux vitesses. Boîte de vitesse plus réduction sur cette machine. Comme toujours, on garde tout ce qu'on enlève, on le met dans le carton d'origine proprement pour ne pas avoir à courir après. Les éléments qu'on ne veut pas monter, on les met dans l'autre partie de la boîte. Comme ça, si quelque chose a resté coincé dans sa chaîne, une petite vis ou un clips, on n'aura pas à le chercher trop loin. Support moteur avec radiateur. Intéressant. Après, le radiateur, il n'est pas sur le moteur, il est devant. Est-ce que c'est vraiment utile? Je doute.
En crawler, tu as le même problème qu'en drift, c'est que tu n'avances pas. Ton moteur force en crawler, en drift, il tourne dans les tours, mais tu n'avances pas physiquement, donc pas devant. Le ressort du slipper a l'air bien balèze, honnêtement. C'est digne de ce qu'on met sur Revo et compagnie. Une petite bague en bronze, parce que le roulement, évidemment, là-dedans, il va mourir rapidement. Couronne de slipper en 56 dents, module 08. Mani vient de penser Kyosho Outlaw Rampage. Le cache, la plaque principale où tout va être fixé dessus, les patins de slipper en une espèce de plastique PVC machin. Dans la visserie, on n'a rien d'anormal. On a donc de la tête standard, de la tête fraisée un petit peu. Comme toujours, tu peux déjà te séparer un peu tes petites vis, amoureusement, comme ça, pour pas te tromper sur les tailles. Checker aussi si le conti est au niveau des vis. Voilà, ça, on n'est pas trop inquiet. Voilà, un petit BTR, deux petites rondelles. Donc celles-là, elles iront sûrement sur le support moteur côté moteur. Le BTR, c'est évidemment pour le pignon. Pignon qui est livré en 3,2 mm et c'est un pignon de 15. Je ne sais pas encore quel combo je vais mettre. J'hésite, puisque les 2400 carrés, je les ai montés sur des projets. Tout évidemment est sur roulement à billes, roulement au bas haut en plus, on est tranquille. Niveau qualité. Alors on a des tailles standard en indice, on a un mini BTR, on a des petits clips en E. Obao aime bien verrouiller les pignons avec des petits clips en E sur les arbres. Mais aussi après ça se débronde pas souvent. Deux roulements, trois roulements double Z et deux roulements d'une taille étrange. On verra donc à quoi ils servent. On va se mettre tout ça tranquillou là. Et tu vois quelque chose au moins? C'est hors champ. Hein, c'est hors champ. Mani, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux. Et l'attirail principal, on a donc les pignons de boîte, les pignons qui sont entraînés, ça s'appelle les pignons fixes, ceux qui ont des roulements dedans, c'est des pignons fous, c'est crazy, a priori à fortiori, comme ça, par hasard, je dis que ces petits roulements vont dans ces petits pignons là, un pignon fou, deux pignons fous, ici le synchro. Donc je peux déjà dire que ça va aller comme ça. Et la fourchette. Comme en vrai, c'est délirant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart entre tout ça, évidemment, dans la boîte de vitesse. Soit tu as celui-là qui est enclenché, donc celui-là, il va être bloqué, tu vois. Il va être bloqué, il a un petit jeu pour permettre l'enclenchement. Si tu vas bloquer, il va entraîner donc le pignon qui est de ce côté-là avec lui, qui est fixe avec lui. Et si tu passes la 2, tu claques celle-là, celui-là il va se retrouver en roue libre, puisque c'est un pignon fou sur roulement à billes, et tu vas entraîner l'autre pignon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Du fixe, du fixe, du fixe. T'as vu, là, il y en a un qui a carré, il y en a un qui ont des 6 pans. Il y a donc 2 fous et 3 fous. Je le mets dedans, je sais pas si ça va là. On verra ça après. Mais je pense que ça devrait aller. L'entraînement principal, donc là on a, tu vois, on a trois pignons qui ont du 6 pans, ça va aller là. On n'a pas de pignons, c'est marrant. Carré. On n'a pas d'arbre carré. Là, c'est clair qu'on aura deux petits circlips. Ça, je pense que ça va être là. On a un petit BTR à mettre dedans. Ça se baladera pas librement. Un clip à gauche, un clip à droite. Pourquoi il y a un clip de plus s'il n'y a que deux rainures? On ne sait pas. Si, là. Voilà, là, il y a l'entraînement. Si pas encore pour l'autre. Et le carré pour le petit dernier. De ce fait, en fait, tu peux pas te tromper. C'est pas mal, hein, franchement. Donc, on va voir ce qui se passe. On a trois arbres, donc on a un arbre primaire, un secondaire et un tertiaire. Ça c'est le primaire, là-dessus il y aura le slipper.
Ensuite, on ne sait pas ce qui est le secondaire et le tertiaire. Je pense que c'est ce qui va sortir Cardan, ça va être par là, vu qu'il y a un trou pour une goupille. On verra ça tout à l'heure. Donc, faut bien graisser tout ça, les mecs, hein. La graisse ne se fige pas instantanément et ne casse pas les pignons. Ça ne s'est jamais vu et m'étonnerait que ça se voit. C'est vrai que je dis toujours, pas prendre de gants, pas toucher. Et moi, j'ai toujours les mains dedans. On va essayer de faire un effort ce coup-ci. Là, j'ai pas envie de mettre les gants. Mais on va travailler pour appliquer la graisse avec un outil. Tu prends donc l'arbre primaire, qui est celui-ci. Devant, tu mets le pignon de 14 dents. 6 pas. Donc là, faudrait compter. Mais, vu que les autres sont plus gros, moi je dis que ça va être lui. Est-ce qu'on a le dessin, la taille réelle? Non, on a les roulements, on a les clips, on a un machin, mais on n'a pas les pignons. Donc on va effectivement compter. Si tu veux être sûr de ne pas te planter au comptage, eh ben, tu te prends un feutre. Le voici. Et tu t'amuses. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, aha, 14, bingo. C'est un bingo. Tu glisses devant un de ces roulements ici. En. Est-ce qu'ils ont mis la référence? Oui, 5 par 13 par 4. Hop. Tiens, c'est aussi ce qu'il y a dans les roues Traxxas. Derrière, tu y colles le pignon de 17. Tu vois, tu peux pas te tromper, c'est carré. Donc celui-là, on va s'amuser à le compter, puis c'est le seul qui est carré. Deuxième roulement, et tu te mets ça tranquillement de côté. Tac. Étape numéro 2. Tu prends l'arbre, celui-ci, le secondaire. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est celui-là, le secondaire. Qui a. C'est là que va le troisième circlip. Il y a une petite rainure là. On est bon. Tu mets d'abord le pignon de 18, tout de suite derrière le pignon de 21. Là, tu peux plus te tromper, puisqu'on est sur du 6 pans, il reste que deux pignons. Hop, c'est fait. Là-devant, tu mets pas le même roulement qu'avant. Ici va le 40-65. Donc là, il faut un peu regarder les références quand même. 40-36, bouge pas. 40-36, c'était les 5 par 3 par 13 par 4. Tu vois, regarde. Magnifique, n'importe quoi. Les 40-36 vont sur l'arbre primaire. J'ai mis les petits. Tu vois à quelle vitesse tu te trompes. Ça, ça va là, les enfants. C'est là-dessus que tu mets les 5 par 11 par 4. Donc tout ça, c'est vrai que tu peux monter un peu de graisse avant. De l'autre côté, tout ça va être dans la boîte. Donc de toute façon, ça va se balader dans tous les sens. Tu ne te fais pas avoir là. Il faut installer donc le pignon avec le roulement à l'intérieur. Et ensuite, un des petits circlips. Ces petits circlips, on les appelle des E-clips. Parce qu'ils sont en forme de E. Arrondi pour ceux qui ne comprennent pas. Et alors, est-ce qu'on va voir? On voit très mal cette rainure. Et en plus, je dis une bêtise, mais n'importe quoi, mais manie! Il y a le dernier roulement dessus, c'est tout. Arrête donc! Cesse donc, t'es si magré! Voilà. Et là, vous pouvez vous marrer, il y a déjà un clip sans eux qui allait se promener. Alors, petit clip, où es-tu? C'est pas grave. M'en fous, j'en ai plein. C'est des boîtes entières. Hop. Troisième étape. La plus compliquée. Donc là, tu mets effectivement un clip en E.
N'hésitez pas, comme dit, à travailler sur des tapis. T'es pas obligé d'acheter un tapis de standard RC Express. Tu peux acheter de la nappe vinyle chez Babou, on trouve tout à prix fou, genre 3 euros le mètre. Tu trouves des nappes d'une certaine largeur, la longueur que tu veux. Tu peux t'emmener un bout, te faire plusieurs bouts de la même taille. Le vinyle, c'est un minimum statique, c'est assez épais. Donc tu es tranquille pour bosser dessus. Quand c'est trop abîmé, tu changes. Tu peux utiliser un carton d'emballage, n'importe quoi comme surface, relativement clair ou uni en couleur pour ne pas chercher tes pièces là-dessus. Tu mets la fourchette qui a un sens, tu ne te trompes pas. La boue à l'extérieur. Et là, tu mets un petit BTR qu'on te conseille vivement de passer à la loctite. Ce que nous allons évidemment faire. Parce que je pense pas que c'est une la boîte, c'est pas un truc que tu vas ouvrir souvent là-dessus, à mon avis. Donc, si ça se balade et que tu es. Coincé en prom sous en deux, c'est pas rigolo. Il n'y a pas de sens puisque cette pièce n'a pas à sa sortie ni de méplat ni rien. Si évidemment tu avais ici une perforation ou quelque chose ou un méplat ou parce que la fourchette devait être dans une certaine position à l'intérieur, ça serait évidemment aussi compliqué de mettre celle-ci au bon endroit. Là, c'est pas le cas. Tu mets le deuxième clips. Ah, c'est génial ces mini trucs. Après, on me demande pourquoi je fais du 1-8. Tu t'assures bien que ça soit dedans. Si c'est mal mis, ça peut sauter. Voilà, on en a l'air pas mal. Fourchette. Arbre tertiaire. Là, ça commence. Ils te disent attention, il y a le trou ici à la fin. Qui doit bien être par ici. Là, tu montes ton synchro. Tu montes un pignon de fou par là. Un pignon de fou par là. Tu vois ce que je te disais? Tu entraînes soit l'un, soit l'autre. Et en fonction, après, quand la boîte, évidemment, elle va tourner, tu vois, là, on va dire, tu serais au point mort, puisque les deux sont fous. Là, tu en enclenches un, ça touche, et quand ça arrive dans la rainure, clac, ça casse dedans, ça claque dedans. Lui, il est en train de tourner parce que lui, il se balade tranquillement quand tu passes ton haute vitesse. C'est pour ça que ce jeu est nécessaire pour pouvoir faire simple, pour les attraper. Parce qu'évidemment, on aurait pu faire un synchro comme mon automobile AG1 avec une portée conique qui va ralentir le pignon pour s'enclencher, gna gna gna. C'est pas vraiment utile, ce serait un peu trop poussé. Hein. Là, tu mets un roulement. Tu mets la cale et l'autre roulement de l'autre côté. Attention, faut pas se faire avoir. Donc ton pignon qui a un roulement dedans, tu mets un autre roulement là dessus donc chacun de ces pignons est monté sur deux roulements. Donc là vraiment niveau endurance on est balèze, hein. Je pense pas qu'on aura de soucis à ce niveau là et très important, il faut mettre cette rondelle ici, pas oublier, et encore un roulement. Voilà, donc ça sera posé dans cet ordre-là, à l'intérieur de ta boîte de vitesse. A priori, a fortiori, ça sera ça, le bins. Donc soit tu entraînes donc ici ce pignon qui entraîne ce pignon, qui entraîne ce pignon, qui entraîne ça, qui est bloqué, qui entraîne l'arbre. Donc ça, c'est la plus petite vitesse, tu vois, il y a un pignon plus, là on va être en première. Soit tu passes la 2. Donc, ce pignon entraînera toujours ces deux, mais celui-là, fou, va se balader dans le vide. Inversement, quand tu en premier, c'est celui-là qui se balade dans le vide. Et tu entraînes cette cascade de trois pignons-là. Donc, une plus petite réduction, donc une vitesse plus élevée à la sortie. Et si je l'ai dit à l'envers, ben, ma foi, c'est à l'envers, vous le pensez de l'autre sens, et ça va aller, vous allez vous en sortir. Alors là, ensuite, une fois que tu as fait ça, ils te disent de tout graisser. On va pas encore le faire là parce qu'on en a plein les paluches. On va prendre le carter en main. Donc on te dit de prendre. Tu as deux carters ici. On s'assure qu'ils vont bien ensemble, qu'il n'y a pas de bavure. Ça va bien.
D'après le dessin, c'est celui-ci avec le creux et pas l'autre. Ça, c'est pas super clair hein, à ce niveau-là, au niveau du dessin. Il faut deviner un petit peu. Tu vois au niveau des formes. Mais ce serait plus simple avec un petit numéro dessus quand même. Hein. Bon, après, c'est pas non plus compliqué. Et là, tu enclenches effectivement donc cet arbre. Alors attention au sens. Attention. Forcément ici, tu as la sortie de la boîte. Et là, tu as l'entrée avec l'arbre primaire. Tu vois, ici, l'arbre primaire rentre. Ici, tu as la sortie de cette boîte de vitesse. Ne te trompe pas. Donc, le premier va tout simplement là. On va donc y mettre du gras. Le second, il va juste à côté sur la même hauteur. On va faire tourner histoire de mettre du gras partout. On va en rajouter comme ça, même s'il y a de l'eau qui rentre, on sera pépère. On va déjà en tartiner là-haut. Imagine si ça durcit toutes les dents qui vont sauter. Folie, folie furieuse. Et l'arbre principal, l'angle le plus complexe avec toute la pignonnerie, et la petite fourchette qui va sortir dans ce petit trou qui est là. Là, comme tout ça se balade, il n'y a rien que l'éclipser là-dessus, va être un grand moment. C'est possible qu'on soit obligé de ressortir les autres arbres pour mettre tout en même temps à l'intérieur. Comme c'est le cas sur une vraie boîte de vitesse, parce que les pignons se gênent les uns les autres, passé on dirait hein. Yes, on y est. Ouais, parfait, regarde, nickel. Deuxième partie, ça va être bien aussi. Synchro roller, de toute façon ça va forcer, de toute façon on va mettre la motorisation adéquate. Je sais très bien que si tu vas dans la boue, ça va rentrer de partout la flotte. Alors moi j'en badigeonne. Ça va le freiner un peu au début, le temps que tout se mette en place. Puis après, ça va y aller. Voilà. Bon, il y a quand même un rebord qui est vachement bien fait. Ça pourrait être tentant de remplir cette boîte avec de l'huile épaisse. Alors méfiez-vous au niveau évidemment du rapport de seconde, puisque lui, faut jouer un petit peu, hein, faut que la graisse se balade. Voilà, toujours s'assurer que ça fonctionne bien. Tu vois, là on est en seconde, là on est en premier. On répond tout ça bien. C'est l'inverse. Là on est au point mort. Hop. On check si tout est bien, tout est en place. Et on arrive à monter tout ça sans pression. Quand tu mets trop de graisse, évidemment, tu auras de la pression partout, ça va forcer sur les carter autres, c'est pas l'idéal. Ensuite, on te dit d'utiliser les 36-210, qui sont des vis de 2,6 par 10. Alors 10, c'est bien la longueur, et 2, on sait pas, parce que c'est les plus petites. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les mêmes têtes partout quand même. Une, deux. J'en ai mis 3 de côté, regarde, la quatrième est là. Alors c'est rigolo, cette petite boîte de transfert, ça fait son poids quand même. Comme je te le dis toujours, quand tu as plusieurs vis sur un endroit, sur une même pièce, tu fais d'abord prendre toutes les vis, tu n'en sers aucune.
Là, on dit, tu utilises une visseuse avec du coupe. Tu mets au mini. Comme ça, tu es tranquille. Suffit pas, tu vois. Tu passes sur 2. Donc 200 grammes dans ce cas-là. Voilà. Et on va checker à la main. On est pas mal. C'est pas la peine de serrer trop fort. Il n'y aura pas d'effort en arrachement des vis. Ni même en latéral, vu qu'il y a une gorge à l'intérieur. Les vis sont vraiment juste là pour assembler le tout. Un déroulement étanche, on a mis une bonne couche de graisse, donc on devrait être tranquille. Tu peux pousser le bouchon à remplir ici encore de graisse. Bon, la lithium, elle tient la flotte, donc c'est pas la peine d'aller acheter de la marine exprès. Tu peux te fourrer un petit peu là. Le problème, évidemment, c'est qu'après, en roulant, si ici c'est gras, les saletés vont se coller dedans aussi, donc ça va aussi te faire une petite pâte abrasive et t'user tout. Donc c'est plus simple de laisser ça sec à ce niveau-là, et quand tu as roulé, d'aller souffler rapidement là-dedans, de balancer un petit coup d'huile en bombe après ton run. Très bien. Prochaine étape, numéro 3, la plaque pour monter le moteur. On a toujours la boîte de vitesse qui est dans ce sens-là dans la notice. Et après tu cherches, tu tombes dessus par hasard, mais ça marche. Donc là, 3 par 10. C'est bien d'avoir une référence de vis qui contient la taille de la vis. Sur ma caisse à outils, j'ai mis une bande aimantée à l'extérieur. Justement, tu vois, là, je le fais jamais quand je travaille avec vous. Mais je vais me prendre l'habitude. Donc ma servante d'atelier est à côté de moi. Et j'aimante systématiquement les outils que je suis en train d'utiliser sur l'extérieur de la caisse. Comme ça, j'ai pas besoin de les chercher et ils ne traînent pas en fait sur mon plan de travail. Au niveau des pubs aussi, n'hésitez pas à signaler quand il y en a trop. J'ai programmé moins de pubs. Enfin, c'est un programme par défaut, mais il en balance une tonne. En fait, c'est du n'importe quoi. Je trouvais avec des pubs toutes les 3 minutes, du pur délire. Totalement à côté de la plaque sur YouTube. Généralement, sur les longues vidéos comme ça, j'en mets une toutes les 10 minutes, pas plus. Ça me permet aussi de vous y retrouver à les repères quand vous cliquez à la lecture ou n'importe. Même si normalement YouTube garde en mémoire. Après, nous avons le plateau primaire de pression qui va sur le roulement. Donc ce roulement-là, il est bien protégé de tout ce qui peut arriver là. De toute façon, plus il sera dans le carter fermé, c'est pas mal du tout. Donc lui, par contre, comme tout est fermé, je vais mettre un peu de graisse. Ok, on a donc un des deux plateaux, ils sont identiques à mettre en place. Ils ont un sens, tu peux pas te tromper, il y a un méplat sur l'axe. Il y a les deux patins qui n'ont pas de surface autocollante. Quand vous avez un véhicule avec un slipper, un clutch drive ou un diff central, un des trois, si vous n'avez qu'un des trois dessus, surtout ne vous amusez pas à le bloquer, ne me supprimez ni un coach drive, ni un slipper ou autre. S'il n'y a pas d'autre élément pour protéger la transmission derrière, si un diff central c'est pareil, tu bloques ton diff central, si tu n'as pas de slipper ou autre pour protéger la transmission, ça va poser problème. Donc là, bague en bronze au milieu, le sandwich total dessus, et là, serrage. Alors on ne te parle pas encore de réglage ni rien. Pas de. On va déjà aller jusque de toute façon sur la partie nil stop. Voilà, tu vois, il n'y a pas beaucoup de marge en fait, on serre à fond et là je vais desserrer un demi. Il n'y a pas de réglage par. Chaque marque fait son petit réglage par défaut, c'est pas universel entre toutes les marques, hein, donc vous faites pas avoir. C'est pas parce que Traxxas dit qu'il faut faire ça que tu dois faire la même chose ensuite sur ce bébé là. Carter inférieur qui se met donc par dessous. Là, tu devines un peu en fait. Et on te dit aussi d'utiliser des 3 par 10
Le dessin est un peu biscornu quand même. C'est là. Ouais. Ça va. On ne peut pas vraiment te tromper. Pas de piège pour l'instant. Ok. On va checker. Ouais, on pourrait monter à 3, mais on va rester sur 2, on va faire cool. Hein. Étape 4. Là, tu utilises le refroidisseur qui refroidit. Ouais. Ça refroidit un peu le support sur lequel est posé le moteur, mais ça ne ouais, va pas refroidir le moteur, ça c'est sûr. Hein. Tu fais attention, il y a des vis à tête fraisée là-dedans, donc à fraisage, tu as un sens. Là aussi, tu as un trou qui va te servir très certainement à serrer ou desserrer le pignon moteur. Donc si tu mets ton trou contre la couronne, là, ça ne servira à rien parce que tu n'atteindras pas le pignon moteur. Comment qu'ils ont prévu ça ? Par en bas, déjà, tu n'y accèdes pas. Là, tu serais près du moteur. Si tu mets de ce sens, tu es loin du moteur. Alors ça, c'est intéressant. Parce que quand même, depuis avant, on te fait travailler avec la boîte de ce sens. Tout d'un coup, on te la met de ce sens. On te dit de fixer le moteur là-dessus. On ne te parle pas de l'ouverture. Et tu es vraiment loin, en fait, de ton BTR. À quoi sert ce trou ? C'est peut-être, le trou ne sert peut-être pas. On a peut-être extrapolé. Ce trou ne sert peut-être pas du tout à atteindre le BTR. Et si, tout simplement, c'est que le moteur ne vient pas par là. Je partais du moteur par ici, alors que le moteur était monté devant. Et où est le moteur de ce sens ? Donc là, tu mets tes vis. Alors ça, ils n'en parlent pas, mais c'est de l'alu. Alors quand tu es dans l'alu, je te conseille vivement de mettre une petite goutte de loctite sur ces vis. L'alu travaille beaucoup avec la température, l'acier différemment. Tu as des vis en acier dans un environnement en alu. Il peut y avoir des serrages intempestifs sur les mouvements de température. Alors mieux aussi toujours, c'est de faire prendre, moi je le fais à la visseuse, vous avez vu, c'est une sale habitude, après t'as un minimum de feeling avec l'expérience, c'est comme tout, hein, quand tu fais toujours la même chose, tu t'habitues. L'idéal c'est de faire prendre toujours à la main, si t'es pas sûr. Donc on tourne sens des aiguilles d'une montre pour faire prendre, les vis standards, et si tu veux être sûr, surtout dans le plastique, tu recules d'abord un petit peu, t'as vu là, regarde, je te le remontre. Regarde ce que fait la vis. T'as vu ? Clac. Là, t'as le début du filetage et là, tu prends. Tu vois, sans forcer. Quand tu utilises un outil, tu peux faire prendre de travers très vite. Donc, c'est pas l'idéal. Si t'as pas l'habitude. Toujours pareil. Tu mets toutes tes vis en contact avant de serrer. Et on check. Là, tu peux serrer plus fort. Hein, c'est aller dans, comme dit, c'est pour maintenir deux pièces à lui qui vont tenir le moteur. Donc là, tu serres. Pareil, toujours progressivement une après l'autre. Tu n'en bloques pas une à fond et ensuite tu t'attaques aux autres. Voilà. Le moteur qui se fixe là-dessus, donc avec deux vis 3 par 8. Pour ne pas aller trop loin dans le carter moteur, méfiez-vous. Les moteurs où le bobinage est relativement devant, donc si tu mets des vis trop longues, tu tapes dans le bobinage, et c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Tu fais court-circuit. Pignon moteur qui a donc son petit BTR, là. J'aime bien, c'est du BTR de 1.5, enfin la tête de 1.5 sur du M4.
on est bien. Tu vois. Toutes ces vis-là, donc 4 vis vont servir à monter ces deux vis à monter le moteur. Ces 4-là vont servir à monter le carter là-dessus. Et il en reste une. On a bien 4 vis dans le carter ici, de toute façon qui était de taille unique. On avait 2 vis pour fixer celui-ci. Et on ne nous parle pas de cette vis. Donc est-ce que c'est comme dans l'Hyperstar où on te laisse de temps en temps une petite pièce en plus? Puisqu'on a déjà un circlips en plus, on a un BTR en plus, on aura donc encore une vis en plus. Donc je vais faire comme pour l'Hyperstar. On va mettre ça de côté. Effectivement, on te dit qu'il faut 2 fois le clips, tu vois, il est 3 fois. On te dit qu'il faut une seule fois le mini BTR, on l'a 2 fois. Le nombre de vis, c'est pareil. On a 3 vis ici, 4 vis là, ça fait 7, et on en a reçu 8. On va laisser ça de côté. Tout ça encore package 1. Package 2. Prochaine vidéo, les mecs. Moi je vais me décider aussi sur ce que je vais mettre comme, comme moteur là-dedans. Alors je vois pas encore tout à fait la place définitive qu'on a là-dedans. Évidemment j'ai envie d'y mettre un brushless, n'est-ce pas? Mais pour des questions de coût, parce que d'un côté j'ai envie de faire un moteur, un engin pas trop cher, tu vois, pour ensuite quand on vend derrière que monsieur tout le monde puisse en profiter, ou les plus petits budgets qui veulent quand même un crawler suréquipé de bonne qualité. Donc je suis tenté d'un côté de mettre un charbon là-dedans, puisque j'ai des gros charbons, j'ai des gros moteurs charbon qui traînent. Alors est-ce que j'ai la place pour y fourrer un truc de dingo? Salut les mecs, à demain pour la suite.